Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un let's play sur, non pas, le dernier Pokémon en date, parce qu'il n'est vraiment pas terrible, mais bel et bien sur le meilleur Pokémon de tous les temps, qui est sorti sur la meilleure console de tous les temps aussi. J'ai nommé Pokémon Colosseum, sorti sur Nintendo GameCube en 2004. Ah, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Le jeu a quand même plus de 15 ans, c'est magnifique. Et il est plus beau que le dernier Pokémon. C'est compliqué, mais il faut l'avouer que la direction artistique, elle est mieux que le dernier Pokémon. Et même techniquement, vraiment, je le trouve plus beau que le dernier Pokémon, donc c'est compliqué quand même. 15 ans plus tard, nous avons un jeu qui est moins beau, c'est magnifique. Ah, et aussi un scénario moins bien foutu. Bon, le scénario de Pokémon Colosseum n'était pas fou, mais pour du Pokémon, il est incroyable. Voilà, parce que généralement, dans le scénario dans un Pokémon, c'est un peu du caca. Enfin, je veux pas être méchant, hein, les enfants. Les nostalgiques qui ont bien aimé Pokémon Feuille, version Feuille, tout ça, moi je l'ai fait il y a pas très longtemps, sur Game Boy Advance. Bon. C'était sympa quand on était petit. Alors, bon voilà, on va commencer une nouvelle partie. Nous sommes sur émulateur, donc c'est pour ça que ne vous en faites pas, j'ai pas formaté une vraie carte mémoire. Voilà, par contre j'espère que la sauvegarde va tenir. Donc non, on va pas s'appeler Michael, non Vincent, et pas Eric, non, c'est... Je suis pas fan de ces prénoms, c'est un peu trop lambda pour moi. Bah, je vais juste mettre mon pseudo en fait. Pas trop de créativité. Hein. Where is... Je sais même pas comment faire les lettres minuscules, donc on s'en fiche. On fait tout en majuscule. Ah oui, mais non, je peux pas tout mettre. Je peux pas tout mettre. Bon bah... On efface, on met que... Voilà, barre d'espace. PL. Where is... Il est où le P? Ah. Voilà, c'est parfait. Mais ça me convient, c'est magnifique. Et je vous laisse l'intro. Et j'éteins mon téléphone parce qu'il me saoule, la Messenger, là, il fait que de vibrer. Tot sus. On commence un peu tard la musique. Voilà. Que de souvenirs. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui gigote dans le sac. Ah, on va savoir ce que c'est après. Bon, j'aimerais pas le savoir, mais on va être obligé de le savoir. Ah, je m'en suis mis plein la panse. Il n'y a pas à dire, un beau repas après avoir bouclé son job, il n'y a pas mieux. Et oui, Freddy, et on a attrapé un bon gros gibier en plus. Avec un truc pareil, le boss va nous filer une super prime, c'est sûr. Et c'est le pied. Et c'est le bras. Voilà, référence à une vidéo magnifique qui date de 2013, de notre chaîne. Une vidéo catastrophique. Voilà. On a quand même appelé le personnage principal. Je crois que c'était Chabit, une connerie comme ça. Voilà. C'est rigolo. Ça donnait des phrases magnifiques, mais bon. Voilà. On était jeunes. Da-da-da-dum.
D'après les révélations de sources officielles, le bâtiment suspect ravagé par une explosion dans le canyon Lécro serait le repère de la Team Snatch. La Team Snatch est un groupe de kidnappeurs de Pokémon qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Le bâtiment n'a été découvert que grâce à l'explosion, mais la Team avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des autorités, ne laissant derrière elle que des ruines. Les origines de l'explosion sont en cours d'étude, et l'on peut penser que des éclaircissements arriveront bientôt. Oh, je fais doublage Sonic X un petit peu. Hein. Les femmes dans Sonic X. Oh, elles ont tous cette voix-là. Vous savez. Toi aussi, tu es dresseur de Pokémon. Oui. Tu ne peux pas me le cacher. Je peux lire sur ton visage que tu es un dresseur fortiche. Je parie que tes Pokémon aussi sont fortiches. Si l'occasion se présente, j'aimerais bien me mesurer à toi. Je pense pas que tu sois à mon niveau, mais qui sait. Bon, d'accord. Voilà, on va s'en fiche un petit peu, on va partir directement. Il y a une cutscene qui va s'enclencher, voilà. Oh, attends. Je m'appelle Billy, rien qu'à te voir, ça me donne envie de te défier en combat. C'est plus fort que moi. Y'a pas à dire, tu n'as pas l'air d'un type banal. Allez, juste un petit combat rapide contre moi. Cool, j'aime les gens qui ont du répondant. Allez, viens par ici. Yeah, à fond les gaz. Vroom vroom go. Ce doublage de qualité. Un combat est lancé par Biker Billy. Oh là là, il va monter ça. Alors, j'ai cru qu'il allait sortir un Pokémon ressemblant à une moto, mais non. Ce n'est pas le genre de la maison. Tu verras un Pokémon ressemblant à une moto dans le futur Pokémon qui sortira en 2021. Alors, morsure, voilà. Voilà, allez, je vous ai pas dit, hein, on commence tranquille avec un Octali et Mentali, voilà. Bon, alors, je sais pas si... si le jeu... Oh là là. Voilà, si j'ai la version craquée du jeu, mais... J'ai des Pokémon complètement cheatés dès le départ. C'est magnifique. Voilà, la particularité de ce Pokémon, c'est que... Voilà, on commence avec des Pokémon assez rares dès le départ. Très puissants. Mais pourtant... C'est l'un des Pokémon, c'est même le Pokémon le plus dur. Je dirais, que j'ai fait. Ouais. Parce que même en étant hyper fair-play... pas hyper fair-play, non, en étant pas du tout fair-play, en utilisant des potions et tout, le jeu est pas simple. Bon, en ayant 6 Pokémon, tout ça... Et parce que les autres Pokémon, hein, clairement on peut le faire avec 3 Pokémon dans l'intime, ça passe. Hein. Ah, je me suis fait lessiver, j'ai encore du chemin à faire. Tu es vraiment fort, toi. Tu m'as carrément aplati. Eh, je sais. Si tu veux tester tes capacités de dresseur, tu n'as qu'à aller à Pedassi. C'est une ville située à l'ouest d'ici. Là-bas, il y a des dresseurs bien plus forts que moi. Tu devrais essayer de les défier. Allez, je go. Voilà, bande. Seul souci, c'est que la carte du monde, voilà, c'est que ça. C'est pas un open world comme les autres Pokémon. C'est assez vaste. Mais au moins, c'est moins grand. Mais c'est beaucoup plus inspiré. La DA, elle déchire. Attention, regardez-moi ça. C'est magnifique. On se dit, mais... Je n'ai pas acheté Pokémon, j'ai acheté un jeu un peu plus haut de gamme. Ouais, mais en fait, c'est que ce Pokémon-là, c'est le seul Pokémon qui a été fait par une autre société. Comme quoi. Oh, bouge-toi un peu, tiens-le correctement. Facile à dire, mais ça n'arrête pas de gigoter. C'est coton pour le tenir, je te jure. Ok, on est gentil. On y met un peu du sien et on se tait un moment, d'accord? Maman, ouais, sortez-moi de là, à l'aide, au secours. Gars, le scotch qu'on lui avait mis sur le bec a dû lâcher. Ah, tu vas te taire, oui.
Et juste, mais il est là, lui. Ben, vu que tu nous as entendus, on n'a pas le choix, ce n'est pas de ta faute, c'est juste que t'as pas de bol. Fichtre. Un PNJ avec peu de polygones vous attaque. Il sort de chuchemure. Et bon, moi je sors de façon banale un Octanir mental, tiens, pour ça. Un petit choc mental, une attaque qu'on est censé avoir bien plus tard. Et qu'on a directement dans ce Pokémon. Alors j'ai l'impression que ce jeu est sexiste. On a quand même un Octali mâle qui a un niveau au-dessus d'un Mentali femelle. C'est à noter. Quelle attaque! Moins 8 PV! Oh là là, mais bois! C'est un truc de fou! Je suis tellement impressionné que je vais faire force cachée, c'est une attaque de merde. Je vais en faire retour. Voilà. Retour, c'est une attaque qui est normalement assez puissante si le Pokémon qu'il utilise aime beaucoup son dresseur. Le problème, c'est que dans ce Pokémon-là, on n'a pas trop de mini-jeux comme les autres Pokémon où on peut avoir de l'affection avec son Pokémon. Voilà. Même tu es plus fort que tu en as l'air. C'est trop fou, je sais plus la voix que t'as, mais on s'en fout. T'es un personnage secondaire. Tu as rétamé mon chuchemur. Tu n'es pas un dresseur ordinaire. Hein, ce visage? Tu ne serais pas le... Mais la Team Snash, non. Eh, vous, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, quelqu'un, au secours! Au voleur, au voleur! Ah, la ferme! On n'est pas des voleurs, on est des kidnappeurs, du pige kidnappeur! Mais que crétin! Va pas hurler des trucs pareils! Ne te repose pas trop sur tes lauriers, morveux! La prochaine fois qu'on se voit, toi et tes Pokémon, je vous réduis en purée! Oh, c'est terrible! On dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans! Oh non, c'est incroyable! Ah non, Fichtre, c'est pas la fille. Oh non, c'est incroyable, c'est vrai! Ils sont vraiment horribles d'avoir fait une chose pareille! Oh, quelle énigme incroyable! Défaire la corde? Non. Bon, allez, je suis obligé. Oliver Plasma essaye de tirer sur la corde fermant le sac. La corde résiste, mais elle se relâche peu à peu. Oliver Plasma défait la corde qui fermait le sac, voilà. Super! Merci pour votre aide! Où suis-je? Où est-ce qu'ils m'ont amené ces deux-là? Ici, c'est Pédacite. La ville aux mille fontaines. Voici la personne qui vous a sauvé de ces brutes. Vous avez dû voir comment il a battu ces types. C'était superbe. Oh, c'est vrai! Merci beaucoup! Tu t'appelles comment? Oh, tu t'appelles Oliver Plasma? Moi, c'est... Nous allons l'appeler. Attends, je trouve pas le U. Boulet. Boulet vous convient-il? J'aurais pu l'appeler Boulette, mais il n'y a pas assez de lettres. Je m'appelle Boulet, enchanté. J'étais dans la ville voisine quand j'ai été kidnappé. Ça a été si soudain. En fait, ces deux-là, ils n'utilisaient pas des Pokémon bizarres? Des Pokémon bizarres? Oui, j'essaye de faire une bonne VF. Mais non, c'était des Pokémon tout à fait normaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par Pokémon bizarre? J'ai déjà vu des Super Saiyans, moi. Oh! Lance d'œil, hein. Vous avez l'air plutôt embêté. Pourquoi ne pas aller demander conseil au maire de la ville? C'est quelqu'un de très gentil. Il acceptera certainement de vous aider. Pour aller à la maison du maire, montez l'escalier situé derrière cette grande fontaine, puis prenez à gauche. Le maire ! Oui, bien sûr !
Le maire pourra peut-être nous conseiller. Dis Oliver Plasma, je sais que c'est un peu bizarre et c'est un peu brusque, mais il n'y a personne d'autre sur qui je puisse compter. S'il te plaît, tu veux bien m'accompagner? Non. Oh mais, il se peut que ces affreux reviennent. S'il te plaît, tu ne veux vraiment pas m'accompagner un moment? Non. Oh mais, il se peut que ces affreux reviennent. S'il te plaît, tu ne veux vraiment pas m'accompagner? Non. Non mais, il se peut que ces affreux reviennent. S'il te plaît, tu ne veux pas m'accompagner? Oui, je suis obligé. Merci Oliver Plasma. Ouf, j'espérais bien que tu accepterais. Si ces deux affreux reviennent, je n'aurai rien à craindre avec toi. Merci beaucoup, merci de rester avec moi. Boulet se joint à vous. C'est une musique dépressive qu'il fallait mettre à la place. Alors, voilà, donc là nous sommes à Penacy Hill. Ou Penacy, je sais plus. On peut faire des combats, voilà. Toi dégage. Voilà. On va rencontrer un petit PNJ qui va nous proposer des combats, parce que c'est bien. Bonjour, je suis Justin, le responsable de ce centre de formation Pokémon. À vous voir, je dirais que vous êtes en voyage. Dites-moi, et puisque vous êtes venu jusqu'ici, pourquoi ne pas faire un petit combat? Évidemment, bien, je vais vous présenter les dresseurs au centre. Quand vous serez prêt, allez au centre de l'arène et tenez-vous sur la gauche. Je suis tout clair avec toi. Bien, apparemment vos préparatifs sont terminés. Nous pouvons commencer. Vous affrontez en tout blablabla 4 adversaires, c'est génial. Alors ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est l'OST. On reconnaît quand même quelques notes venant des Pokémon, évidemment. Mais c'est bien dans un style bien différent, bien particulier, et plus mature. Et ça c'est bien. Donc c'est vrai que ça manquait un peu de maturité dans les Pokémon. C'est un peu trop kawaii, hein. Même si, oh, il y avait quand même des côtés sombres, c'est vrai, sur Game Boy. Enfin, ouais. Pour dire ça, faut un peu avoir une âme perturbée. Quelle insulte! Allez, morsure, fait un coup critique. Il a parfait coup critique, il a presque tué porte. Ah, Malgren, ça c'est chiant ça. Il va nous pomper de la vie, c'est ça, non? Ah non, c'est qu'il attaque plusieurs fois. Il a fait un petit coup critique. Parce que c'est un ordinateur, forcément. Bon, on va faire morsure. Voilà, c'est fun. Retour, parce que bon, l'attaque retour est moins puissante que choc mental, donc je préfère garder. Choc mental. Voilà. Allez, morsure. Doulia. Cradivole et KO. C'est un Pokémon qui ressemble à rien. D'ailleurs, ils ont beaucoup pris. Enfin, ils ont pris beaucoup de Pokémon venant de la deuxième génération, il me semble, c'est ça. Mais tu es plus qu'à la hauteur. Il y en a très peu de première génération dans ce Pokémon-là. Et d'ailleurs, on peut capturer que... Il me semble qu'on peut capturer que... Bah, dans le jeu, il doit y avoir 90 Pokémon en tout, comme ça. Différents. Fiche, je tapais le truc. Bah, donc c'est un chiffre normal, quoi, on dirait. Bon, même si ça semble ridicule pour maintenant. Mais voilà... À l'époque c'était pas mal, c'était la moyenne. Mais par contre on pouvait capturer que 40, 48 Pokémon, il me semble, un truc comme ça, à peine 50. Oui, on va poursuivre les combats. Mais la particularité de ce Pokémon, c'est qu'on vole en fait les Pokémon de d'autres dresseurs, voilà. Qui sont du côté obscur de la force. Pokémon au phénomène assez étrange. Avec une aura sombre. Entouré d'une aura sombre.
Donc voilà, par contre le son est vachement fort que... Je suis à 2. 2 sur 100. C'est le problème de l'émulation. Marine. Arakdo. Force cachée. Bon, on peut faire un petit force cachée, mais je pense que c'est pas terrible. Marine, je crois qu'il aime pas choc mental. Ah non, bof. Oh, pff, il résiste bien. Bon, il va quand même mourir au deuxième coup. Bon, c'est pas vraiment puissant. Les forces cachées, ça dépend en fait. Je sais plus. Ça peut être de plus en plus puissant en fonction de je sais plus quoi. Il y a un truc avec force cachée. En fonction du niveau du dresseur, un truc comme ça. Ou la différence de niveau, je sais plus trop quoi. Un truc complexe. Augmente sa défense, c'est génial. Ah oui, mais du coup, je vais peut-être pas le tuer en faisant choc mental. On verra. Bon, des fois, je passerai peut-être les combats hein, si c'est un peu trop long. Hélas, dans les RPG, souvent. Quand on fait un let's play, vaut mieux passer pas mal de combats parce que c'est un peu redondant. Comme j'ai déjà souvent répété dans la série Super LoL Saga. Et d'ailleurs, faudrait qu'il sorte le dernier épisode de Super LoL Saga saison 2 de Zeus. Ouais, c'est compliqué. À la base, je voulais faire un super ending avec Cinema 4D, tout ça, et finalement, bon, je vais faire un ending plus classique. Parce que bon, l'ending, c'est pas vraiment ce qui est important. Finalement, c'est mieux de. Là, j'ai plus pris du temps sur les combats de boss, parce que à la place de toujours avancer pour rien, voilà, finalement. Avec des commentaires de Parnell Kaïd. Ben là, j'ai fait un peu plus de montage. Pour que ce soit un peu plus fun à regarder. Bon, ça sera pas non plus incroyable, mais. Je trouve qu'en ce moment, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Est-ce que je vais en parler dans cette vidéo? Bon, je pense que je ferai une vidéo vraiment. Faite pour ça. Bon, je vais en parler vite fait. Dans quelques mois, très exactement, ou plutôt dans 3 mois, je compte m'installer dans une maison, parce que j'ai acheté une maison. Et donc là, c'est sûr, je serai plus tranquille pour faire mes vidéos. Et donc là, bah, il y aura plus de contenu. Voilà, en gros, c'est ça. L'avenir, attention. Et je compterais faire des lives sur des jeux RPG, attention, et des jeux de plateforme aussi. Et pas des jeux de compétition, c'est pas trop mon truc. Des jeux de plateforme qui m'ont marqué et des RPG peut-être que j'ai pas fait, ou aussi un RPG que j'ai... Deux RPG qui m'ont marqué, forcément, sur GameCube. Ça peut être quoi? Et je pense que il y en a un que j'ai pas testé. Et je pense que il passera assez bien sur Dolphin. Hein. Sur l'émulation comme ça. Ah, parce que faire un live sur de la GameCube, c'est presque impossible. Moi j'ai pas l'équipement pour. Je peux capturer la GameCube, mais après je peux pas faire un live. Ou alors je serais obligé d'acheter encore un boîtier pour pouvoir faire des lives sur la GameCube. Je le parais pas. Petit-fils à papa. Sale riche. Trop gâté. Hors de ma vue. Hors de ma vue, petit insecte. Oui. Sale vermisto. Oh bah, évidemment, elle marche comme l'actrice dans Sainte Chérie, c'est magnifique. Une petite série télévisée des années 60. Je fais la fille!
Bon, à Caillou, je pense qu'on va le one-shot avec le choc mental. Et puis... Ouais, Rhinocéros, je sais pas. Allez, c'est super efficace. Ah non. Ah, c'est pas super efficace le choc mental contre lui. Enfin, coup critique. Voilà, et vous voyez quand même la mise en scène. Alors, c'est pas ouf. Déjà pour l'époque, c'était pas ouf. C'est quand même... Souvent, il y a beaucoup d'assets qui sont repris, des animations qui sont reprises de Pokémon Stadium qui était sur Nintendo 64. Et quelques modèles aussi de Pokémon 3D. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont quand même beaucoup plus cubiques que d'autres. Bah, Notali, Mantali, ils sont plutôt bien faits parce que, évidemment, ils n'existaient pas avant. Voilà, ils sont de cette génération. Ils sont de la deuxième génération, il me semble. Dans la première, il y avait Voltali. Pyroli et Aquali. Mais je crois que la deuxième génération, c'est là où sont apparus pour la première fois Noctali et Mantali. Et voilà, il n'y a que des Pokémon de la deuxième et la première génération, il me semble, c'est ça. Dans celui-là. Alors qu'ils auraient pu mettre de la troisième, il me semble. Sauf que la troisième était sortie. Quoique, elle était peut-être sortie quasiment en même temps que le jeu, en fait. Et vu que c'est une autre équipe qui s'occupe de ce Pokémon, c'est un peu compliqué. Bon, bon voilà, on a tout fait, je sais plus ce qu'il nous a donné. Plus tard, on pourra combattre contre ce dresseur, mais pour l'instant, je crois qu'on n'a pas trop le niveau. Ou alors, faut avoir plusieurs Pokémon. Ah oui, c'est ça, faut en avoir plusieurs. Il dit qu'il faut en avoir 3. Ou 4, je sais plus. Un truc comme ça. Bon, on va voir directement le maire. Voilà, alors il y a Dark Vador qui sort, tranquille, pépère. Oh, un jeu de dresseur, voyage peut-être. Oh non, c'est une voix tout pourrie. Alors, on va faire quoi? J'aime ce que je vois dans ton regard. J'ai l'impression que l'on se reverra quelque part. Le doublage est en projet. Oh, 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 oh. Attendez-moi, les enfants. Je suis plutôt jeune. Oh, vous devez être des voyageurs. Bienvenue à Pernassie. Je suis Nestor, le maire de la ville. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Eh bien. Oh, que puis-je faire pour cette charmante demoiselle? Je l'ai vue. Vu quoi? Ma belle gueule? Hé, vous avez vu quoi? Un Pokémon bizarre. En fait, j'ai vu un Pokémon qui agissait comme une machine de combat, et il était entouré d'une aura nébuleuse. En plus, ce Pokémon a attaqué des êtres humains. Oh, je crois que vous avez vu mon bide. Il ressort un petit peu de mes vêtements, je commence à être un peu gros. Quoi? Un Pokémon qui ressemble à une machine de combat et qui attaque les gens? Si cela est vrai, c'est terrible. Quelqu'un peu difficile à croire comme ça. Alors, quoiqu'un peu difficile à croire comme ça, oui. C'est compliqué à lire. C'est vrai, monsieur le maire. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que je me suis fait kidnapper par ces affreux individus. Je vois, je comprends. Je vais faire des recherches de mon côté. C'est vrai? Merci, monsieur le maire. Non. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Une jolie fille comme vous ne devrait pas avoir à craindre de pareilles brutes. Oh! Donnez-moi juste un peu de temps. Je devrais pouvoir mettre la main sur des informations intéressantes. Ah oui, vous m'avez vous-même l'air d'un dresseur. Si c'est vrai, vous ne manquerez pas de visiter notre merveilleux Colisée et fierté de notre ville. Un magnifique Colisée dit de la ville aux mille fontaines. Aux mille femmes fontaines. Aux mille fontaines. Fallait forcément que je la place. Coucou. Ah, vous êtes mignon. C'est si beau de faire un voyage avec sa petite amie. Oui, petite amie que j'appelle Boulet. Elle kiffe que je l'appelle Boulet. Hein, tu kiffes. Voilà. C'était le moment gênant. Alors je vais soigner mes Pokémon parce que faut pas déconner quand même. Ils ont un peu mordu la poussière. Ah là, c'est PC, voilà. Rejoignez les PCistes
Ils soigneront vos Pokémon. Par contre, vous devez écouter toute leur râlerie. Oh là là, c'est magnifique ce mot. Sur les versions consoles des jeux. Cette magnifique communauté est incroyable. Voilà. Alors, faire quoi déjà là? Il y a le championnat, on peut pas y aller, je crois. Le Colisée, l'inscription, malheureusement, voilà. Il y a peut-être ça la mèche là, dans comment il s'appelle. Ah, c'est un Pokémon ça. On voit le pro. Comment il s'appelle? Sacha, voilà. Peut-être Sacha qui est en train de faire un combat là. Yo! Hé, hey, Oliver Plasma! On t'a enfin mis la main dessus, espèce de traître! Non seulement tu as explosé le repère, mais en plus tu es allé jusqu'à voler le Snatcher, wesh! Tu as un sacré culot! Qui c'est cela? Hein? C'est la Team Snatch! Et ils ont dit traître! Oliver Plasma, ça veut dire! Bien vu, ma belle! Ouais, c'est ça, ma mignonne! Cette crapule fait partie de notre bande, la Team Snatch. En plus, c'est pas un membre de base, c'est le meilleur de la Team Snatch. Il rate pas un Pokémon. Non, est-ce que c'est vrai, Oliver Plasma? Hein? C'est vrai? Alors là, c'est la meilleure! Wesh, Oliver Plasma. Allez, rends le Snatcher que tu as piqué au repère, wesh. Snatcher, Oliver Plasma, tu as vraiment un truc comme ça sur toi? Ah voilà, il y avait une blague là-dessus quand on a mis. Ah ouais, c'est ça. On avait appelé. On avait appelé le personnage principal Beat. Ah, c'est bon. Petite blague à la con. Ça me faisait rire à l'époque, voilà. C'est triste. Alors. Celui qui est équipé du Snatcher n'a besoin que d'une Pokéball, quelle qu'elle soit. On met la Pokéball dans le Snatcher et il la transforme en Snatch Ball. Et ça, c'est un truc de fou, t'as vu, frère? Et avec ça, zou, on chip en Pokémon. Hé, crétin, tu as la langue trop bien pendue, toi. Tais-toi, wesh. Ah, je vois, Olive. Ah, oui. Je vois, les remplacements, c'est pour ça que c'est affreux de poursuivre, n'est-ce pas? Affreux? Qui c'est, les affreux? Alors, ça me fatigue, si tu nous le rends pas gentiment, on va te prendre de force. Là. Vas-y. Zé, va, je vais sortir mon racaillou. Allez, vas-y, là, on va te faire la fête. On va te faire ta fête. Vas-y, un écrapince. Wesh, un Smogo qui a même pas encore évolué. Il est niveau 27, bordel. Je sais pas ce qu'il attend. Alors, merci. Smogo, je préfère le tuer direct parce qu'il me saoule. Il peut être chiant avec son poison. Hop, c'est super efficace. Ah bah oui, les types poison, ils n'aiment pas les types psy. Hop. Alors il me semble que c'est que à partir de la version de la génération 2, de la deuxième génération, dans Pokémon, qu'on a les types ténèbres, il me semble. Il y avait toujours les types psy, il me semble, mais les types ténèbres, je crois qu'il n'y en avait pas. C'est arrivé après. Après peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe lourdement. Ça se trouve, Yuyu, il va passer par là, il va dire, ah non, c'est pas ça, c'est le pro des Pokémon. Ah, il sera déjà parti, parce que je prononce mal Pokémon. Allez, j'arrête. Non, je ne suis pas assez bon, wesh. J'aurais dû manger plus de kebab. Vas-y mince, wesh, Oliver Plasma, c'est pas fini. On récupérera ce Snatcher, là, moi je te le dis. Alors comme ça, tu es un membre de la Team Snatch? En fait, non, pour être précise, un ancien membre de la Team Snatch. Oh là là, mais quelle déduction! C'est pas grave, je me fiche de ce qui peut bien se passer, Oliver Plasma. Je veux dire, tu es le prince qui m'a sorti d'une épineuse situation. Enfin, ce qui s'est bien passé, ouais. En plus, moi, j'ai trouvé une superbe idée.
après écouter leur histoire. Didi Oliver Plasma, Didi Kong, si on allait acheter des Pokéballs. C'est une excellente idée. C'est magnifique. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais bloqué ici. D'ailleurs, avec mon frère, on appelait le personnage principal Tupu et le personnage secondaire, la fille, Tupette. Voilà. Déjà en 2000. Attends, j'avais quel âge en 2004 ? Parce que j'ai vu sa sortie, le jeu-là. Bah oui, je l'avais vu en même temps que j'avais joué Far Cry sur PC, bah oui, c'est ça, je m'en souviens. Enfin, à Noël. Ah, bon, bien vu à la boutique. Hein. Faut acheter des Pokéballs. Peut-être quelques potions, non ? Enfin, je suis... y a pas de Pokéball ? Bon, allez, un petit potion, super potion. Ah, super potion, peut-être, allez, hop. Parce que j'avoue que les Pokémon, ils sont un peu haut level. Faut quand même prendre des trucs un peu mieux. Par contre, c'est où qu'on voit les Pokéballs ? C'est pas ici, ça doit être là-haut. Bah oui. J'avais que 8 ans, quoi. Je n'ai pas trop évolué 5 ans après. C'est magnifique. 5 ans après. 2013, c'est bien après, même encore, c'est encore pire. Ah, de tous. Acheter. Pokéball. Non, il n'y a pas de Pokéball. Attends, il se fiche de moi. Ah, je m'en souviens. Ah, je sais, il faut revenir au. Ah, ok. Ah, je sais. Ça n'a aucun sens, hein, mais il faut voir le barman. Le barman, il vend des Pokéballs. D'où un barman vend des Pokéballs. C'est comme si dans la vraie vie, un barman vendrait une canne à pêche. Didi Oliver Plasma, allons chercher un magasin où ils vendent des Pokéballs. Ah, puis elle est méchante. Je sais plus où faut aller. C'est à quel moment qu'on a... Attendez, c'est à quel moment qu'on a cette info là. J'ai pas encore Pokémon, blablabla. C'est qui là? Il y a pas un homme bourré quelque part là qui nous dit le barman là, il vend des Pokéballs. On peut pas juste parler. Ah merde, ça rame à moitié. Les menus qui rament, ça je m'en souviens purée par contre. Quand je fais Y, ça te fait pas tout de suite. Tout le monde sait, tout le monde le sait, personne ne vend des Pokéballs par ici. Mais il paraît qu'ils ont à la station-service, à l'extérieur de la ville, et ça, peu de gens le savent. Et bah du coup, faut aller à la station-service, pardon, petit richou, qui joue à Fortnite sur PC en 4K 60 FPS. Fils à papa. Qui joue à Assassin's Creed Origin ? Avec l'anti-aliasing à fond. Hé mon gars, si t'es en madrouille, tu ferais bien de t'équiper ici avant de continuer. Dites patron. Patron. Vous n'auriez pas les Pokéballs avant par hasard? Hein, des Pokéballs tu dis? Personne en utilise dans le coin alors, où est-ce que je les ai fourrés le jeu? Ah, les voilà, un peu poussiéreuse, mais ça devrait aller. Et hop, tiens, prends celle-là, c'est cadeau. Yo, je les ai. Tiens, pour le coup, je vais les mettre avec les hauts marchandises. Si t'en veux d'autres, t'as qu'à passer en acheter ici. Alors, qu'est-ce que tu veux, frère? On va prendre des Pokéballs. Ah, Super Ball. Allez, tiens. Merde. Quelques... Oh, les 5. 5 Super Balls. Et quelques Pokéballs en plus, allez. Bon, les 5. Ah, je suis paradin, ouais. J'ai de l'argent. Ah, quoique, il y a Total Soin. Ouh. C'est pas mal pété, ça. Antidote, ça peut être bien. Quelques fois, ouais. Ah, le poison, c'est vraiment horrible. Et de ce qu'on va en voir, les Pokémon type poison. Anti-gel, anti-brûlure, tout ça aussi, ça peut être pas mal. Bah, après, il y a Total Soin. Hein. Qui fait le taf. C'est un peu cher par contre.
Allez, anti-gel. Oh, c'est rare anti-gel, hein, mais bon. Entrée de brûlure, ça peut arriver. Y a pas para. Ah, bah si, va. Ah, bon, je me fais un stock. Hein. Direct. De toute façon, ça va pas servir, hein, mais bon. Ah, je le joue pas stratégique. Hein. C'est, je la joue prudence. Voilà. J'ai une grande prudence. Donc oui, j'étais bloqué, moi, quand j'avais 8 ans, ici. En même temps, ça se comprend, fallait parler à des PNJ, c'était compliqué. Hein. Oh, c'est vous! Il se passe quelque chose de terrible. Il y a encore plein d'âmes bizarres, ils sont venus. Les deux qui sont enfuis avec les camions étaient avec eux. Et c'est là qu'on va rencontrer notre premier Pokémon, notre première reprise. Oui, je spoil. Alors après, on n'est pas obligé de le choper. Mais... Ah, il y a un petit bug avec l'arbre, tiens. Made in Dolphin. Vous ne verrez ça que sur la chaîne Oliver Plasma. Oula. Bullishko, c'est le gars là-bas, là. Celui qui nous a repris la fille. Oh, le mec, vous êtes ridicule. Vous vous êtes fait étrier par ces moutards. C'est ça. À toi, mec. Tu m'as dit que ton nom était Oliver Plasma, non? Ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, mec, je suis désolé, mais cette midinette, tu vas devoir nous la remettre, tu vois. En plus, j'allais bientôt conclure. Comment dire? On dirait que cette gazelle voit des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Et ça, mec, ça nous embête énormément. Si tu préfères éviter de swinguer dans un océan de douleur, toi aussi tu devrais suivre le rythme et nous laisser faire. Allez les mecs! Ah oui! Bien les garçons, je retourne à Pyrite, un peu en avance. Alors surtout, ramenez-moi bien la mignette. La mignette. Compris? N'échoue pas une deuxième fois. Je ne le supporterai pas. Oh, 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 oh. Yeah, let's groove! Dance! Just dance! T'as vu, j'ai le style! Oui, je sais, notre chef, c'est une vraie tafiole. Enfin bref, toi, la première fois, j'étais pas concentré. Mais cette fois, ça va pas se passer pareil. Oulala, boule le cafeteur a lancé un chouchemur. Oulala, il a changé de Pokémon. Il a changé de stratégie. Donc Tami, pense à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur Rome Total War. Yes. One shot. Ah, un peu d'XP. XP, ça met un peu de temps à venir, quand même. Un coup que, pas tant que ça. Ah bah, il a la trouille. Pas tant que ça, vu que, en ce moment, je joue à... Tiens, il y a un petit retour. Je joue à un Tailuff. Tailuff Berseria. Ça, c'est ça, ouais. Un peu compliqué à dire. Ok, le dernier Tailuff en date, il me semble. Ah non, il y a eu un Tailuff mobile, mais bon, on s'en fout. Mobile, Android. Voilà. Mince, j'ai encore cafeté. Alors, oui. Ah tiens, il y a un gilet jaune qui va nous attaquer. À mon tour. À mon tour, je ne finirai pas comme café. Ouais, t'as vu, j'ai un piercing sur la bouche. Ouais, Mimigal, c'est le Pokémon le plus pourri. En plus, je crois qu'il n'aime pas les attaques type ténèbres. Donc... Ah, généralement, faut viser les moins bons Pokémon sur... avec Noctali, parce qu'il est moins puissant. Ça veut pas dire qu'il est moins fort. Il est juste moins puissant en attaque. Il est plus stratégique, tu vois.
il a fait la guerre, il a fait Rome Total War. Et en fait, je me suis planté, c'est l'inverse, c'est Choc Mental qui n'aime pas. Bon. Chacun son fail, et en plus... Ouais, ouais. Chacun son fail, ça veut rien dire. Alors, morsure... Enfin, l'erreur est humaine. Hop là, c'est super efficace, c'est ça. Et je crois que l'autre, il n'aime pas morsure. Ça, c'est type ténèbres. Ça, c'est l'inverse, en fait, c'est magnifique. Bon, moi, je fais l'inverse. Ah, c'est ça, on a Makuhita. Qui est un Pokémon de type combat qu'on va choper. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que ces imbéciles m'ont kidnappé. Ce Pokémon à l'aura nébuleuse, on lui a fait quelque chose. Je peux le voir, je peux le pressentir. Attention, ce Pokémon n'hésite pas à attaquer directement les humains. Je sais, François, ça ne veut pas vraiment, mais il n'y a pas le choix. Je t'en prie, soustrais ce Pokémon à ces affreux. Tu pourrais... Non, en fait, tu es le seul à pouvoir le faire. Ouais, ouais, c'est parce que je suis le premier mec lambda qui passe te sauver. Voilà, c'est super efficace. Je sais plus ce que je voulais dire, là. Je me suis coupé et... C'est peut-être pas très intéressant. Bon, lui, est-ce qu'on peut le choper direct? Ah, peut-être pas. Peut-être pas, ouais. On va faire un petit morsure. Bon, allez, un petit morsure. Et puis elle a fait un petit coup de main, voilà. Ça sert à rien, regarde. Ça permet d'avoir une attaque un peu plus, voilà, renforcée. Sans qu'elle soit trop pétée, pour pas que ça tue direct le Pokémon, évidemment. Parce que j'ai envie de le choper. Mais ce n'est pas très efficace. Oula, coup de croix, ça fait hyper mal, ça, en plus. Ça va. Et c'est une attaque qui ne réussit pas souvent, parce que bah, elle est pas très précise. Mais bon, quand ça marche, ça fait un peu mal. C'est quand même le premier Pokémon qui m'a fait autant descendre de PV là, au début. Et là, le jeu, il commence déjà à être un peu chaud. Bon, c'est pas... Un peu chaud pour un Pokémon, voilà. Pour un Pokémon, il n'est pas facile, celui-là. Ah bah voilà. Bah momentané, il est capote. Coup critique. Ah, et c'est vrai que cette attaque est assez... un critique assez haut, assez élevé. Un taux de critique assez élevé. Donc c'est compliqué. Donc j'ai quoi? C'est où mes Pokéball? Ah. Pokéball. Allez, lançons une Pokéball. On va lui chouer son Pokémon. Son Pokémon. Voilà, quand j'étais petit, j'étais un peu bête. Je faisais stick vers le gauche. Stick vers le gauche pour essayer de l'avoir. Alors que ça ne sert à rien, évidemment. On a tous eu une technique. Hein, mon Pokémon à moi! Non, bon, bah, il me reste plus que ma weed pour me consoler. Zut, c'est ce qu'il y a. Il m'a arraché mon Pokémon à moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas supposé être impressionné. Qu'est-ce qu'on va faire? Boule Disco va nous hacher menu. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on peut faire? On fuit. Bravo, Oliver Plasma, tu leur as pris un de leurs Pokémon. Pokémon, voilà, on va arrêter cette blague à la con. Mais je suis sûr qu'il reste des Pokémon, comme celui-ci ailleurs. Il faut que nous le récupérions tous, il ne faut pas leur en laisser un seul. Et la qualité de doublage est passée du Club Dorothée à Slayers, attention. Ça ne déconne plus, là, on va faire une qualité de doublage mode Slayers. On va respecter les Pokémon. Donc là, donc du côté gauche, voilà, là c'est assez compliqué, c'est pas directement expliqué. C'est que si on combat ce dresseur là, on a un Pokémon de type plante. L'un des starters de la première génération, il me semble, ou deuxième, je sais plus. Moi franchement, je ne sais jamais. Je crois que c'est la deuxième. Celui-là c'est type feu,
d'un des starters aussi. Donc là, c'est Ferisson, je me souviens, celui-là. L'autre, c'est... C'est l'espèce de dinosaure, là, hyper mal fait, là, avec une vieille fleur, là, autour de lui. Et bon, il était pas ouf, ce Pokémon. Enfin, il était un peu pété, quand même, mais... Ouais, graphiquement, c'est pas ça. Et moi, je préfère avoir Alligator. Quoique, Ferisson, c'est pas mal aussi. Ah non, Alligator, il est quand même plus stylé. Alors, désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer. À moins que vous essayez de me défier en combat. Wouah, vaincre mon auguste personne, toi, ne va pas pleurer après. En fait, je crois que je me suis viandé parce que... Ah, purée de fichtre. Ah, mais non. Nom d'un kebab. J'ai pas soigné mes Pokémon. Du coup, il y a Mentali qui est mort. Elle est morte. Ah, et lui, il est quasiment capoute. Ah bah, je suis bien parti, moi. Ah, je crois que ça va passer sur un game over. Un Pokémon. Avec une aura étrange. Allez, hop. Petit coup de morsure. Charge noire sur lui. Hop, on va peut-être le tuer, lui. En plus, il ressemble à rien, là. Un tas de morts. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et après, on nous dit... Ah, les Pokémon, ils étaient mieux. Bon, vous avez pas complètement tort. Oh, mais non. Mais non. Oh, mais c'est une bouse. Oh, mais arrête de manger. De te goinfrer tout le temps de pizza, là. Et attaque. Bordel de fiche. Il y a mon écran de droite qui fait que de clignoter. Je sais pas pourquoi. Force cachée. Ah, c'est pour rendre les effets encore plus spectaculaires. Voilà, il y a l'écran, il fait que de clignoter quand on est dans la merde. Oh, il est toujours pas mort. Ah, ouais, parce que Dolphin avec Windows 10, on est obligé d'avoir deux écrans. Hein. Sinon, on est obligé de redémarrer l'ordinateur. Pour fermer Dolphin en plein écran. Merci Windows 10. Bon, par contre, je risque de mourir là. Ouah, tu vois, je suis vraiment dans la mêle. Ouais, je fais une super potion là, comment ça se passe? Ah, je suis obligé. Ah, je suis obligé. Ouais. Ah, voilà, fait grimace, fait de la merde. Bon, la vitesse, on s'en fiche un peu. Détritus. Ça fait un peu mal ça. Oh purée! Quoi? Mais non, mais c'est de là! Mais vas-y, il va mourir. Mais quoi? Le jeu, il est contre moi. C'est quoi cette blague? Attends, ça fait quoi du coup le game over dans le jeu? Je sais plus. Attends, on recommence d'où? Ah non, ça va. Ça va, on a quand même le Makuhita. Ils sont sympas. J'ai eu peur. Purée, mais c'est ouf. Je suis mort au début du jeu. C'est magnifique. De toute beauté. Heureusement, il m'a pas raquetté. Comme je le fais à chaque fois, moi. Enfin, je crois. Pas comme dans GTA quand qu'on perd de l'argent quand on meurt. Parce qu'on trouve l'hôpital le plus proche. Dans l'hôpital le plus proche. Magnifique. C'est, t'as de beaux yeux en JPEG. Morsure, choc mental. C'est super efficace! Eh oui, ce gros tas de morph de mes couilles, il aurait pu être one-shoté par Mentali. C'est magnifique. Spring. Oh bah, j'ai de la chance. Ah bah, mais c'est super efficace, mais il est pas mort. Grimace. Ouais, oh, c'est de la merde. Je vais faire retour pour pas trop faire mal. Ah, c'est pas encore... Parce que si je fais choc mental, je risque de one-shotter. ça serait comique, hein. Un deuxième game over. Cette fois-ci, parce qu'on a loupé un Pokémon.
Ça m'aurait fait un peu chier. Après, je sais pas si celui-là je vais le garder jusqu'au bout, là, le crocodile. Il est pas mal pour le début, mais... Bon. C'est un starter, quoi. Enfin, c'est un starter de la deuxième génération, il me semble, mais c'est pas ouf. On va essayer de l'avoir avec la Pokéball. Je compte pas déjà utiliser des super Pokéball, moi. Ah bah, ah d'accord. Autant le jeu, la RNG du jeu est catastrophique. Mais par contre pour les Pokéballs c'est tranquille. Ça se passe nickel. La conscience a été artificiellement enfermée, ce qui a été transformé en machine de combat. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par conscience artificielle fermée? Va savoir, Sadouf. C'est vrai. Ça ne vous sera d'aucune utilité. Je sais, il me semble en avoir entendu parler quand j'étais petite. On peut petit à petit rouvrir la conscience fermée d'un Pokémon en combattant un Pokémon. C'est un stick. Allons-y, Oliver Plasma. Ils sont certainement partis pour Pierrit. Après tout, c'est à Pierrit que j'ai vu pour la première fois un Pokémon obscur. Et puis là-bas, vous allez voir... L'ambiance Pierrit. Ah, pourquoi on peut pas aller à Pierrit là? Bon, on va d'abord là. Alors que là, c'est la fin du jeu quand même. On te spoil. Voilà, voilà, on te spoil, voilà, on te montre le... ce que tu vas visiter plus tard. À la fin du jeu. Magnifique. Voilà. Vous, c'est un chantier de construction ici. C'est dangereux. C'est pas un endroit pour les mobs. Allez, dehors, dehors. Bon, du coup, faut partir. Ah, qu'il y en a peut-être un qui va dire Pierrit. Ouais, ça fait combien de temps que je ne suis pas retourné à la maison? Je ne m'en souviens même plus. Enfin, il ne reste plus qu'à nettoyer et on aura terminé. Ah, je suis épuisé. C'est dur, mais c'est vraiment super de participer à la construction d'une tour aussi gigantesque. Venez voir, quand on aura terminé, il y aura un colosseum au sommet. Vous en resterez scié. Ah, voilà. C'est déverrouillé plus tard. Vous l'aurez remarqué qu'il y a une petite description à chaque fois qu'on va dans une ville, mais bon, j'ai la flemme de lire. Voilà, encore une petite musique sympathique. Oh, je ne le referai plus, promis, monsieur Clément. Allez quoi, soyez sympa. Combien de fois il faut que je vous le dise? Je sais rien du tout. Ah bah non, c'est pas ça. Ça a pas changé de perso. Non, on va plutôt faire une espèce de voix à la Tintin plutôt. Ah, tu as intérêt à me dire la vérité, Marc. Si tu essaies de me rouler dans la farine, je le saurai. Allez, viens, Milou. Oh, bon. Oh, c'est raté. Waouh, je vous mentirai pas à vous, monsieur Clément. Vous me croyez pas? Bien, je vois. C'est bon pour cette fois. À plus tard. Imbécile. Il n'y a aucune raison pour que je te raconte quoi que ce soit. Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Je t'ai jamais vu dans le coin, tu te fais du tourisme. Si tu veux pas mal finir, je te conseille d'aller faire un tour ailleurs. Ici, il fait pas bon pour ta santé. Et c'est tout ce qu'il dit. Et on le combat pas direct. Parce que plus tard, on va le combattre, lui. Il ressemble vachement à... au personnage dans... sur Sega, là, sur Dreamcast. Avec ses rouleurs. Comment il s'appelle, déjà? Ah, je sais plus. Eh bien, qu'est-ce qu'il est mignon celui-là? Tu veux pas laisser tomber la potiche et venir t'amuser avec une vraie femme? Ok, il y a des dialogues assez battus, hein. Hé, attends un peu! C'est moi que tu traites de potiche! Elle se vexe pour un rien, quelle cruche!
Ne te fais pas de bourron, ma belle. Je drague seulement pour tromper mon ennui. Il n'est pas du tout mon genre. Oh, oh, le toupet qu'elle a, elle m'énerve. Allez, François, tu es un homme, donc fais quelque chose. Je ne suis pas doué de parole. Faire quelque chose contre moi? Quelle blague! Je vais être gentil avec toi, allez bien. Un combat lancé par Canaille Lily. Canaille Lily, Lily envoie son tout petit et Nosferapti. Lulu envoie Noctali Mentali. Même pas d'idée sur le jeu. Alors, morsure, qu'est-ce qui peut être bien là-dessus? Oh, bah ça, choc mental, voilà. Normalement, c'est super efficace. Moi, je connais par cœur. Ah, les Nosferapti, je les connais par cœur parce que c'est. Nosferapti, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Avec Voltali. Ah, surtout sa dernière évolution, Nostanfer, là, mon gars. C'est du loup. Moi, je connais ses points forts et ses points faibles. Voilà, je suis comme ça. Attention. Un petit choc mental. Ah bah c'est super efficace qu'on soit ce truc aussi. Il est type quoi ce machin? Il est type poison alors? Je crois que c'est un type normal. Il ressemble à rien donc type normal. Soit les types normaux ils sont mignons, soit ils ressemblent à rien. Voilà. Gagner 540p, merci beaucoup. Un garçon qui se bat comme ça contre une aussi jolie fille que moi, ce n'est pas attirant. Et aussi, je vole aussi une jolie fille, c'est magnifique. Enfin bon, il y a bien pire qui se passe en France. Allez, bonsoir, c'est ici que j'ai vu ce Pokémon bizarre. Ensuite, alors que je me préparais à quitter la ville, ces truands m'ont kidnappé. Faisons attention, cette ville n'est pas comme les autres. Tu veux me défier? Il est marrant, lui. Tu as tellement envie de souffrir. Je suis timbré. J'ai pris ma touche de combat. Hein. Ah, c'est un Pokémon qu'on va capturer. Je m'en souviens. Alors. Noctalou. Et mental d'acier. On y va, monsieur. Un Pokémon qui a une aura étrange. Oh là 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 là. Tu ne sers à rien, Mentalou. Oh, en plus ils sont pas géniaux. Ouais, les Makuhita. Makuhita par exemple, c'est pas un Pokémon que je vais garder. Hein. Il est pas très très fort. Ouais, super efficace, je m'en doutais, mais ça passe quand même. C'est une attaque vraiment pas puissante, hein, morsure, donc. Il me semble. Est-ce qu'on peut voir les caractéristiques? Alors même pas. Sauf que morsure n'a pas une super précision. Alors voilà, on peut tuer celui-là. Ah quoique. En attendant. On va choper l'autre avec la Pokéball. On va essayer d'en choper. Hein. Même si j'avoue que feu, forêt. Ça m'enchante guère, comme Pokémon. Ah bon, en plus il est chiant à attraper. Il est chiant à attraper. C'est un peu problématique. What? Que les dégâts. Avec critique, hein, tranquille. Ça se passe pas très bien quand même. Hein. J'ai vraiment une RNG de la pourrie, quoi. RNG catastrophique. On va réessayer encore. Je
pas trop envie d'user une Super Ball contre ce Pokémon. Enfin, sur ce Pokémon. Oh bah, il est chiant. Alors, peut-être un petit coup de... Un petit coup de force cachée, tiens. Ce morsure, ça risque de le tuer. Ça va le tuer. Donc ouais, force cachée. Allez, crocodile, force. Crocodile. Attention. Nom très original. Qu'est-ce qu'il a cet écran là? Bon. Attaque morsure. Qu'est-ce que je peux faire? Force cachée, c'est ça? Bon, allez, charge noire là. Onde folie. Oh, génial. Ah, en plus sur lui. Il va se faire avoir lui. Parce que c'est un noob. Oh, ça n'affecte pas Fouforêt, bon, vas-y. Je me souviens pas de ça. Purée, mais... Chatouille. Oh, ça va, c'est pas terrible, ça. C'est pas grand-chose. Ça abaisse les stats à l'attaque. Ça fiche un peu, quoi. Par contre, morsure, je risque de le tuer direct. Tac, 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 tac. Charge noire. Je crois que Crocodile, il est quand même résistant. Ah là là, bon, c'est chaud, mais ouais, il a résisté quand même. Ah bah, il meurt d'une façon un peu bizarre. Là. Tiens. Allez. Oui. On ne tue pas porte. Ah ça. Ah, c'est compliqué pour l'avoir, lui. Ouais, lui, on va faire appeler. Appeler, normalement, ça sert à réveiller les Pokémon quand ils sont vénères. Les Pokémon sombres, ils peuvent être vénères, des fois, et incontrôlables. Et du coup, faut les appeler. Ah, c'est pas possible! Il est horrible, ce Pokémon, là. Bon, là, ça sert à rien, ça sert juste à passer un tour de l'appeler. Bon, il est mort. Comme ça, ils vont être conscients comme ça, là. Hop, allez, mourir tous. Objet. Bon, les Super Balls, là, il m'a saoulé. C'est... Je passe à la vitesse supérieure. Et si on l'a pas, bon, on tue, et puis voilà. C'est là, ça m'énerve. De toute façon, il est pas terrible, ce Pokémon. Il a l'air costaud comme ça, parce qu'on est au début. Mais... Ah bah tiens, on l'a enfin chopé, de Zeus. Il voulait pas être dans une Pokéball, là. Lui, non, Monsieur Ferrovert. Ferrovert, alors lui, il veut du haut de gamme. Hein. Ah, c'est un prout, hein. Donc il veut une Super Bowl. Voilà. Il m'a coûté de l'argent, bordel. J'ai perdu en beauté et ça m'a sorti de mon mode hyper. Tu savais pas, pour faire sortir ton Pokémon du mode hyper, il te suffit de l'appeler par son nom. Pendant un combat, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Je me demande pourquoi ces dresseurs ont tous ces Pokémon bizarres. Je suis sûr que cette ville cache un secret. Oui, il y a un trafic de Pokémon. Je trouve le style, voilà, c'est... Ça fait quand même plus mature. Mais c'est pas moche, hein, la DL est pas mal, tout. Bon, techniquement, je dirais pas que c'est pas terrible, mais... À côté, on a eu quand même des jeux plus beaux sur cette console. Ah, et puis c'est vachement cher, les hyper potions, ouais, vaut mieux que j'attende encore. Hein. Ouais, c'est compliqué. Il voit rien d'intéressant, lui. Il n'y a pas de Pokéball. Pardon. Allez, un véritable boulet, hein, moi je vous le dis. Qu'est-ce que... Voilà, on peut aller là. C'est un peu le personnage qui est obligé d'être là, parce que notre personnage ne parle pas. Allez, ça c'est plus tard. C'est un personnage important dans l'intrigue. Principale du jeu. Donc là c'est quoi déjà? Ouais, bah, c'est la voyante, ça on s'en fiche, c'est qu'on est bloqué. Tac tac tac. Ah, y a pas de. Y a pas de truc pour soigner, quoi. Un peu bête. Ah, y a un hôtel. Peut-être que l'hôtel.
Ah, mais on est obligé de payer pour... Ah, c'est ça. Bon, on y va quand même. Voilà, on les soigne un petit coup. Bon, je vais pas trop combattre avec les autres. On va un peu évoluer Mentali et Doctali quand même. Pour l'instant. La chère, allez, hop, allez, un petit duel. Bon, là, c'est duel sur duel. Ah, lui, c'est un Pokémon sombre. Enfin, tous les niveaux 30, finalement, au début. Ah, c'est ça. Ah, je vais reçoit un Pokémon avec une robe sombre. Ah, je sais pas si on va le tuer en premier. Non. Lui, ce qui est assez étonnant, c'est que sa deuxième forme, elle est moins bien. Il évolue, mais il est plus petit et il fait plus ridicule. Là, il fait plus, je sais pas, il fait plus imposant, alors que sa première forme, là, à la coccinelle. Ah non, on critique, là, ça passe. Ah, par contre, il est vraiment pas mal. En tout cas, au début du jeu, celui-là, Noirfang, il est pas mal. Noirfang. Évolution de... Houhou, il me semble, c'est ça. Deuxième génération, lui. Par contre, je sais pas où aller, là. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on a envie de dire avec la Pokéball? Ah non, on peut refaire morsure. Pas gênant. Voilà, et je trouve que la mise en scène et tout, ça a quand même plus de gueule que le dernier Pokémon. Hein. Non, c'est vraiment une blague, le dernier Pokémon. Hein. C'est la douche froide. Hein. Je l'ai pas acheté, mais de ce que j'ai vu que... Attendez, c'est même pas... C'est pareil que sur 3DS. Déjà, sur 3DS, j'étais déçu. Je m'attendais à bien mieux sur 3DS, quand même. Alors là, on est sur Switch, et... C'est un jeu 3DS. Un jeu 3DS. Ils ont juste enlevé l'aliasing, voilà. Il n'y a plus d'aliasing. Parce que Full HD. Ok, il n'y a plus beaucoup d'aliasing, mais voilà, c'est tout. Les personnages sont toujours aussi mal... mal fait. Alors, il faut le dire. Alors, on est sur Switch quand même. On n'est pas sur Game Boy. Ah, j'aime bien troll, mais... Ouais, on n'est pas sur 3D. C'est pas normal. Enfin, même sur 3D, ce jeu était pas très bon. Quand on pense que la 3DS peut faire tourner des jeux de GameCube, tranquille. On l'a bien vu avec Luigi's Mansion. C'est même un peu plus joli que sur GameCube. De la résolution, elle est moins bien. Plus d'aliasing, mais c'est plus joli que sur GameCube parce que on a... Parce qu'on a des meilleurs effets... La luminosité est mieux rendue, quoi. Les ombres, tout ça. C'est mieux rendu sur 3DS que sur GameCube. Et généralement, sur GameCube, on a plus de polygones, par contre. Mais bon, c'est pas trop visible. Après, je pense que j'aurais pu renvoyer une autre Pokéball. Oh yes, j'ai appuyé sur flèche gauche et ça a marché. J'ai changé la RNG. C'est magique. Et du coup, oui. C'était quand même bien. Voilà, le mode hyper, c'est quand les Pokémon ils deviennent fous. Ah, hop, incontrôlable, entre guillemets. Voilà, j'ai fait de la bulle. C'est un personnage ridicule. Artiste Chelsea. Chelsea. Pas Chelsea, en fait. Pourquoi Chelsea? Chelsea.
Alors oui, les Pokémon, c'est vrai que globalement, là, ils sont quand même moins bien rendus que sur Switch. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mais par contre, les animations sont mieux faites. Et finalement, ça reste mieux. Alors, rien que quand il se fait toucher, lui, et même par les Pokémon, ils ont chacun une façon différente voilà, de se mouvoir. Alors que les Pokémon qu'on a eu là, alors certes, il y en a beaucoup, hein, mais bon. Ils avaient quand même énormément de budget, et en plus de ce qu'ils nous ont dit là sur Pokémon Switch, bouclier épée là. On nous a dit que ça allait être un open world, donc un Pokémon open world pur et le plus. Alors certes, ça a toujours été à moitié ouais, assez open world quand même, les Pokémon, mais là en 3D, ça pouvait le faire. Bon, d'ailleurs, le dernier Pokémon, celui sur 3DS, il était très linéaire. Bien plus linéaire que ce qu'on avait avant, qui était en 2D. C'est étonnant d'ailleurs. Ah, je suis paralysé comme par hasard. Ah, mais nous aussi, donc ça. Du coup, il va être plus facile à attraper, parce que les Pokémon paralysés, forcément, c'est logique, hein, c'est... Ça bouge plus trop, et du coup, bah... Ils peuvent pas trop échapper à la Pokémon. Voilà, c'est facile. Ah non. Je me soigne un petit coup, et puis voilà. Quelle démonstration, voilà. Elle a fait dans sa jupe, voilà, c'est bon, on a gagné. Oh, tu es très doué. Désires-tu que je t'apprenne quelque chose au sujet de tes Pokémon, chérie? Charge-moi d'une capacité, dans les effets, blablabla. Bon, c'est intéressant, mais bon, moi je connais. on va aller à l'hôtel, vite fait. Et là, pour moi, le dernier Pokémon en date... Ouais, c'est vraiment la grosse déception. C'est un peu du foutage de gueule. Surtout avec le budget qu'ils ont. Franchement, toutes les ventes qu'ils ont fait avec les Amiibo, tout ça, Nintendo, c'est un peu du foutage de gueule, quand même. Et puis même, en plus, la bouteille, voilà... Ils ont de la bouteille, quand même, ceux de chez... Attends, c'est qui qui font les Pokémon, déjà? Je sais plus. Studio. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. From Speak, un truc du genre. Je sais plus. Moi, à part dire, à part From Software. Ah, mais ça ressemble. Mais... Game Freak, ah c'est ça, Game Freak. Ça m'est revenu. Donc oui, Game Freak. Bah, ils ont du fric pourtant. Voilà. On va pas utiliser à bon escient. Alors, ça se vend quand même toujours bien, hein. J'ai l'impression. C'est bon, l'effet Pokémon Go, j'ai envie de dire, voilà. Mais bon, ceux qui sont en plus des vétérans... Qui ont connu la guerre, qui ont acheté des Game Boy... à l'époque. Et voilà, c'est pas terrible. Un petit charme, un four à vol, franchement, j'ai pas vraiment envie de l'avoir, mais bon. On se dit, hop, on a un Pokémon en plus, comme ça... Hop. En PC. Ah purée, il veut pas mourir. Ça qui ressemble à rien aussi. Il y a quand même des Pokémon avec des designs de merde hein, au début. Hein. Four à vol, mais. Il vient des bisounours quoi. Je vais prendre Pokéball. Papinoc, je... ça passe.
un style à lui. Bon, il est pas ouf non plus, il donne pas trop envie, mais ça va. De toute façon, généralement, les types vol de type insecte, souvent les types insectes, ils sont pas très classe, hein, comme Pokémon. À part Herbizarre, Ulbizarre. Pas mal, mais sinon... Ok, il y en avait un, c'est Insectoid, je crois, il s'appelle, un truc du genre. La moitié type combat, là, enfin, c'est... Il a des animations, on dirait un type combat. C'est juste un type plante, et je crois que quand il... Si, quand il... sa dernière évolution, il devient un type combat plante. Et il y a un truc comme ça. Il est assez stylé. Et c'est un peu le seul. Ok, qu'est-ce qu'il a dit comme connerie? Ah, c'est sexy, super. Voilà. Et fin de deuxième. Et là on va voir la baleine. Elle est pas mal la baleine. Je crois que c'est sa dernière évolution ça. Moi j'avais toujours cru quand j'étais petit que ça se transformait en grosse baleine. Le marine stone. Qu'on voit plus tard dans le jeu. Mais non, c'est pas le même Pokémon. Ah Psychoquake, il aime pas les ténèbres, je pense. Après. Choc mental sur Maris, ça va être le tout direct. J'ai un peu peur. Oh, ça lui fait rien. Ça lui a rien fait quoi. Oh, Psychoco qui pleure pas. Il garde son attaque. En plus, c'est un peu chiant en trap, je crois. Ah, il me semble que ça touche son coéquipier, ça aussi, non? Normalement. Ah non! Ah, peut-être pas dans cette version. Non, c'est sur DS que ça touche le coéquipier Surf. Ah bah du coup, c'est complètement pété dans le jeu. Force. Je vais faire choc mental contre lui. C'est un petit psy, mais bon. Ça lui fait mal quand même. Ah, voilà. Alors les animations étaient sympas. Hein. C'est pas non plus ouf, mais bon. C'était leur premier jeu Pokémon. Après, ils ont fait une suite qui est pas vraiment mieux, je trouve. Enfin, après, je l'ai pas fini. Donc, je peux pas trop vous dire. Peut-être qu'on le fera en live, je ne sais pas. Pourquoi pas. Mariste, moi, je pense que je vais faire un petit coup de morsure. Un petit coup de morsure, on appelle Mentalisme. Ou un petit coup de main, voilà, pour que ce soit un peu plus puissant, vite fait. Ça va pas non plus le tuer. À part si je fais un coup critique. Pas la boule d'un coup critique. Ouf ça. Ouh purée. Ça va, il fait pas charge en noir. Sinon il peut être quasiment en beurre là. Voilà, on peut choper direct à la Pokéball. Logiquement, on a beaucoup de chance de l'avoir. En plus, lui, il est pas mal. Comme quoi, Furorel, ça aurait été le plus hard hein, à choper. Ok. Ah, purée, les flèches. Non, il va être casse-couille. Il va être pénible. Amnésie, oh purée, il va gagner de la vie je crois. Non, ah non, effort spécial. Ah, c'est tout. Il me semble que sur DS Amnésie, c'est, ça augmente la défense spéciale, mais à côté de ça, hein, ça nous rend dingue là. Ça rend le Pokémon confus. Ah non, c'est peut-être pas ça, non, c'est un autre truc. Ça augmente l'attaque et ça le rend confus. C'est, je sais plus quelle attaque c'est. Ah moi, ça fait longtemps les Pokémon. Hein. Ah, choper. Ah, la Pokéball, c'est vraiment tout pourri. Hein. Faut utiliser les Super Balls. Au moins, ça passe. Ah, ça refait.
fait, hein. Soigne tes Pokémon d'abord. Allez hop. Bon, je crois qu'on va se quitter, hein. Parce que là, ça fait quand même 1h25. C'est quand même une grosse partie. Les prochaines parties, je pense que je ferai moins longtemps et j'essaierai de couper. Parce que moi, là, j'ai pas mal de choses à dire. C'est la première partie, comme toujours, hein, dans un let's play, quand on commence, on a pas mal de choses à dire sur le jeu, tout ça. Mais à l'avenir, ouais, c'est sûr que j'aurai moins de choses à dire et je couperai souvent les combats. Il y aura seulement les combats très importants. Donc on va combattre lui à la fin, là, voilà. Il chante je ne sais pas quoi. C'est dommage, il n'y a pas de doublage. D'ailleurs, il n'y a aussi pas de doublage dans le dernier Pokémon. Est-ce que c'est mal ? Non, parce que quand j'ai vu le doublage de Zelda, voilà, j'ai préféré ne pas avoir de doublage. Bon, à part la voix de Zelda, j'avoue, la voix de Zelda, c'est une bonne doubleuse qui double, donc voilà. Là, il y a respect, mais sinon le reste, ah, c'est compliqué. Ah, le roi peut... Zelda. Choc mental, vas-y. C'est un peu la voix caricaturale que je peux faire, quoi. C'est moi, Zelda. Je suis ton père. Le vilain et malotru Ganon a attaqué Hyrule. Link, il faut que tu sauves ma fille. Elle est enfermée depuis 100 ans. Au château, par cette force démoniaque qu'elle retient depuis toujours. Ganon est un vilain garçon. A manqué le respect à ma fille. Sale groin. Allez, c'est un cochon. Lumagma. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Il m'a peut-être encore mordu. Hein. Ah non. Ah non, mais c'est retour que j'avais fait. Je suis plus... C'est retour. De toute façon, lui, qu'il tombe, je sais que je vais pas le tuer du premier coup. Hein. Donc, Lumagma, il est pas mal. Faudrait le garder. En plus, j'ai pas de petit feu. Pic, pic. Ah, purée, fichtre. Ah, c'est bon, il n'attaque pas plusieurs fois. Mon mental, il va peut-être mourir. Aïe. Oh, désespoir. Ouais. Link, il faut que tu ailles sauver ma fille. Ah bah oui, mais mon roi, je veux bien, mais bon, elle a sans doute plus de 100 ans, c'est une centenaire, quoi. Elle a pu être très sexy. Voilà, c'est la fin de Zelda. Morsu. Mais non, parce que il faut que tu retournes dans le passé. Et oui, Marty. C'était pas terrible, morsure contre lui. À se cacher, ça va être génial aussi. Super Ball, vite fait. Je pense qu'on va pouvoir le choper. Normalement. Quel skill! Par contre, il va falloir que j'en rachète des super boules. Un peu chaud là. Et je trouve qu'on va bientôt pouvoir faire des
les combats au Colisée. Là. Ah, ça, oui, c'est ça. Ça peut le rendre confus en plus. Cette attaque-là, la force cachée. Enfin, c'est très rare que ça marche. Et puis bon, c'est une attaque normalement rapidement remplaçable. C'est pas terrible comme attaque. C'est bien quand on débute au début. Après, je me souviens que sur le DS, c'était assez pété quand même, au tout début. Alors que là, c'est un peu naze. Sur DS, c'était assez pété. Avec Pokémon Platine. Merci, merci encore, brave Jean. Et surtout, revenez souvent. Voilà, il fait des rimes, c'est beau. Ah, Boulet n'arrive pas à nous suivre, c'est bon. Attends, qu'est-ce que c'est quoi lui? Bon, je vais pas lui parler puisque sinon il risque de nous attaquer. Du coup. Aïe. Tintin. Ah, du coup, on va faire la suite de l'histoire. J'avoue que c'était pas très passionnant à la fin. Je commence à être un peu fatigué, il est un peu tard. La suite. Au prochain épisode. À la revue pour. Ah, attendez. Sorry, j'ai oublié de dire, mais. Excusez-moi du retard incroyable. Très très gros retard de la série Super LOL Saga, mais. Voilà, en ce moment j'avais affaire, pas mal de sorties avec des potes, et aussi, je m'y suis remis, est-ce que ça se dit? Oui, ça peut se dire, au jeu RPG. Voilà, donc au Tale of, voilà. Parce que moi à l'époque j'avais fait Tale of Symphonia, c'est quand même mon jeu RPG préféré, de tous les temps. Mais voilà, je me suis dit, purée, c'est vrai que j'ai pas fait d'autres Tale of. Enfin, Tale of the Abyss, je l'ai fait vite fait. Je l'ai pas fini sur 3DS. Il est en anglais. Voilà, je comprends la moitié du jeu. Maléfique. Bon, ce que je comprends, c'est que c'est. Ce que je me souviens, enfin, parce que ça fait longtemps que j'ai pu retoucher. C'est en fait le prince. Enfin, quelqu'un qui vit dans la royauté, enfin je sais pas quoi, mais je crois que c'est le prince d'une ville, de je sais plus quoi, qui n'est pas à sa place parce que voilà, il est pas content, il fait sa crise et il se dit purée, mais moi aussi j'ai envie de choisir, c'est pas à mes subordonnés de choisir, voilà, à mes sujets de choisir, parce que mon destin. Donc voilà, après bah, ça donne. Un scénario plutôt sympa, mais un peu compliqué à traduire parce que c'est en anglais, voilà. Encore heureux, c'est pas en japonais. Mais bon, quand même. Mais globalement, l'histoire a l'air plutôt sympatoche. Allez, après, ça reste un peu classique quand même, mais. Bon, c'est sympa. Et d'après les fans des Tale of, c'est l'un des meilleurs Tale of. Bon, après, il est en dessous de Symphonia, forcément. Symphonia le King. Symphonia reste le King. C'est la première, de ce que je vois, la plupart des votes et tout. Mais il y a aussi Tale of Vespertia qui est pas loin derrière. Qui, à ce qui paraît, est une bombe atomique qui était sortie sur Xbox 360, je ne sais pas pourquoi au début. Ça n'a aucun sens. Après, ils l'ont bien sorti sur PS3. Bah, Xbox, c'est une console américaine, donc un jeu japonais. Peu bizarre, mais bon, après ils ont toujours continué à sortir sur console de Sony, Namco Bandai là. Mais voilà, après on a eu Tale of Zestiria, Tale of Berseria, voilà, que j'ai pris aussi sur PC, donc je suis en train de me faire Berseria, qui est vraiment pas mal, qui est en fait, d'après ce qu'ils disent, le préquel de Zestiria. Voilà, vous allez être peut-être un peu perdu de tout ce que je raconte là. Et bon, en gros, je me fais les Tale of. Ça prend pas mal de temps. Je me dis peut-être pourquoi pas faire ça en live. Hein. C'est un vieil engrenage, quelqu'un s'est débarrassé, il a l'air inutilisable. Dans longtemps. Voilà. Mi-2020. On ne sait pas. Ou plutôt, c'est mi-2020.
Bref, voilà. Et donc, à côté, j'avais la flemme d'avancer dans Super LOL Saga. Le montage. Mais bon, ne vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, ça sera Super LOL Saga et elle arrivera vraiment bientôt. C'est quasiment fini. Il y a des blagues sur Pierre Ménès, ça va être magnifique. Des animations de toute beauté, vous allez voir. Et je compte d'ailleurs faire un best-of plus tard de Super LOL Saga parce que je trouve que mon rythme, le rythme de mes épisodes sur Super LOL Saga n'était pas très soutenu. Que des fois, il y avait moins de montage, tout ça, et plus de laisser aller. Je l'avoue. Beaucoup moins dans la saison 2, c'était surtout dans la saison 1, vu que j'avais plus trop le temps. Alors la saison 2, j'ai quand même, bon, on va dire, un peu gardé le rythme. Mais c'est vrai que moi, je suis pas comme lunatique, je fais pas non plus des coupures toutes les 2 secondes, et voilà, donc je préfère faire un best-of plus tard, voilà, avec un rythme beaucoup plus soutenu. Mais un best-of, c'est-à-dire qu'on va mettre les meilleurs moments de la saison 2, en tout cas en premier, et peut-être de la saison 1, je verrai bien. Mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite, et c'est en projet. J'y pense. Et donc voilà tout ce que je peux dire sur la chaîne Oliver Flav. Donc j'avoue que c'est un peu... Oh purée, j'aurais pu soigner mes Pokémon ici, gratos. C'est magnifique. Oui. Aïe. Je me suis fait avoir. Bon, on va sauvegarder. On est parti sauvegarder, c'est parfait. Bon, j'ai remarqué que... Parce que ces jeux-là, je les ai chopés... sur Rome Station, et Rome Station, le problème c'est que quand on sauvegarde un jeu Rome Station, et ben l'autre jeu Rome Station, il va être formaté. Il faut que je fasse très attention. On n'est pas à l'abri d'un formatage. Très pratique. Hein, bref. En tout cas, sur ce, ben, voilà, j'ai un peu raconté ma life. Sur ce, je vous dis à la revue pour de nouvelles aventures, et pour le prochain épisode, Pokémon Colosseum. Avec cette musique là. C'est magnifique ce petit solo de piano là, des fois là. De toute beauté. Plus tard vous verrez un magnifique guitariste. qui se mêle au combat, hein, qui se retrouve en plein milieu de la piste de fight. Voilà, non, l'OST est vraiment... Elle est le déchet. Sur ce, à la revoyure.